Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une partie de PVP, vous allez voir une partie de PVP assez spéciale. Donc déjà je suis en compagnie de Killer. Salut! Et donc il y a un troisième joueur avec nous dans les squads qui est Diable02. Bon, il est pas sur Mumble mais voilà, il est avec nous dans la partie, donc un petit clin d'œil à lui également. Et du coup dans cette partie, donc toi Killer, tu veux utiliser quelle arme? On a décidé en fait, enfin moi voilà, j'ai gardé la Gvostov en fait, je vais vous montrer. J'ai gardé la Gvostov depuis le début de l'année 1, vous voyez, donc avec 5, voilà, bon, ça va être un peu compliqué franchement de jouer avec. Je vais faire une partie de PvP avec pour voir ce que ça donne. Il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a rien du tout dessus, voilà. Voilà, c'est un petit clin d'œil, sachant que là, elle va sortir en exotique, pardon, pour Rise of Iron. Donc je voulais essayer de jouer un petit peu avec. Et voilà, sachant que le skin n'est pas tout à fait le même en plus, parce que bah, je vais vous le mettre en photo à côté. Le skin est un petit peu plus marron en fait pour l'arme exotique qui va arriver. Celui-ci, vous voyez, il est tout noir. Enfin bref, voilà. Et toi, du coup, Killer, t'as plus la Gvostov. On s'est dit, il faut quand même qu'il joue avec une arme de l'année 1 parce que je vais pas être le seul à me faire défoncer dans la partie, tu vois. Du coup, toi, Killer, tu prends. Alex. La Vex, voilà, donc il prend la Vex 177. Bon, elle est un peu. Bon, de toute façon, le niveau compte pas en PVP, donc c'est pas bien grave. Mais voilà, il a la Vex. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais laisser le Vudeck parce que franchement, au sniper, je suis nul à chier. Mais je vais pas prendre de pompe, sinon je vais faire que des fragots pompes. Et c'est pas le but de la vidéo, c'est vraiment de jouer au Gvostov. Et du coup, allez, on va envoyer une petite game, on va faire de la domination. C'est parti. Enfin bref, ne jugez pas mon niveau en PVP, franchement je suis vraiment pas très fort du tout, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Ça fait quoi, 2 jours qu'on y joue un petit peu plus? Sinon voilà. En fait je commence à remettre un peu les pieds en PVP parce que je sais qu'à la Gamescom on va tester les nouvelles maps PVP, je crois. Enfin, on m'a rien dit encore, mais je sais que l'an dernier on avait testé les nouvelles maps PVP, le nouveau mode de jeu PVP. Je pense que cette année on va encore pouvoir essayer le mode PVP et chaque année... Avec Lady, on se fait retourner par les youtubeurs anglophones. Ils sont vraiment chauds en PVP. J'ai envie de vous ramener des gameplays un petit peu plus jolis, quoi. Parce que l'an dernier, c'était vraiment nul à chier. Ça y est, on a enfin trouvé des joueurs, donc c'est parfait. On peut enfin lancer la partie. Franchement, ça a mis du temps. Ça fait, on a attendu quoi 5 bonnes minutes à peu près. Il n'y a pas grand monde apparemment sur le PVP ce matin. Donc allez, c'est parti. Je pense qu'on va se faire défoncer, franchement. Ah bien. Alors, je vise le 1 de ratio, tu vois. Un ratio, c'est le minimum, c'est un ratio, minimum. ce serait ouais, pas mal. Franchement, un ratio, je m'en tire bien. On va dire. Je vous l'ai pas dit, je joue avec Arcanist Bomb Nova. Voilà, parce que j'aime bien. Et puis voilà quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué la Gvostov. En plus, là, je l'ai mis comme ça parce qu'elle était dans mon coffre. On n'a pas encore fait de partie avant. C'est vraiment la première partie de la journée en plus. Donc bon, je pense qu'on va se faire vraiment retourner. Cathédrale du Crypt. Oh là là, en plus c'est vraiment une map que j'apprécie pas. La totale. Une arme on va se faire défoncer. Une map de fou là. J'aime vraiment pas cette map. Mais bon allez, c'est pas grave, on va faire avec. On peut pas tout aimer non plus, hein. Faut savoir aller sur des maps qu'on aime pas. Domination. Ok. Bravo. Allez, c'est parti. Aussi Mako, alors on va regarder comment elle est là. Bah, je suis dans le jaune, vous voyez, franchement, on n'a pas une très très bonne call. Là, on a bientôt la fibre, donc là, on a fait la demande. Ils nous ont dit que ça arriverait dans quelques semaines. Donc voilà, on va voir. Faut qu'ils viennent installer en fait directement, il n'y a pas encore le réseau. Et en fait, si vous voulez, on est vraiment. Franchement, le mec, il est venu l'autre jour, il a ouvert. Il y a 1 mètre à raccorder. On est à 1 mètre de la borne fibre là, mais bon. Il faut attendre les délais de. Vas-y, bon. Oh là là. Bon, la Vex, ça fait toujours aussi mal. Oh là là. Oh, ok, j'ai pris un truc gros. Et par contre, j'ai l'impression que mon arme, elle a vraiment pas de portée. Oh là là. Portée? Ah ouais. Ouais. Bon, ah ouais, mais la portée, t'as vu comment elle est faible la portée? En fait, j'ai pas vu. Oh, je vais me faire. Si je vous fais un 1 de ratio, les mecs, je suis chaud parce qu'en vrai là. Oh gros, la Vex, elle est ouf encore. Ouais, je me casse, je peux pas, elle a pas de portée, je suis obligé de jouer en combat rapproché. Vous avez perdu l'avantage. J'ai fait un frag, les mecs, un frag. C'est plutôt pas mal. Le mec il doit halluciner, il a dû voir Vostov en haut. Je vais te dégoûter de cette série. Quel putain m'a tué avec ça? De ouf, et tu vois. Tu te fais brain par une Vostov, tu sais.
Oh là là, oh là là, la Vex elle fait encore mal. Vous êtes sans tête. Je fais pas de dégâts gros. Putain, t'as une arme blanche. Oh là là. En plus vous avez vu mon shoot, il est vraiment dégueulasse. Bon allez, on va essayer de se... On va essayer de faire quelques frags. Je pense que le 1 de ratio va être très compliqué. Si au moins on peut gagner la partie, on va essayer de jouer l'objectif également. Allez c'est parti, dites-moi dans l'espace des commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Pourquoi pas refaire d'autres vidéos comme ça en PVP. Oh la grenade 2. Ok, j'ai fait... Oh là là, là j'ai fait un truc de noobie. Bon allez, c'est pas grave, on se reconcentre. Zone B neutralisée. En gros la Vex elle est vraiment vraiment pas mal hein. On va peut-être dû faire une petite partie de chauffe avant parce que... Pas de shoot là ce matin. L'ennemi a pris la zone B. Ok, je prends un pistolero. J'ai fait quoi? J'ai fait deux frags dont un au sniper. Donc allez, ouais c'est... Putain, franchement j'aimerais bien... J'espère... Enfin, elle devrait être vraiment plus efficace. Hein. De toute façon, la prochaine, rien que la portée, déjà, elle est vraiment beaucoup plus importante si vous regardez les capas. D'ailleurs, tiens, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mets les capas à l'écran, comme ça. Oh, il doit être blasé, lui. Oh, c'est chaud, gros. M'étonne. Oh, moi, franchement, la Vex, gros, y'a rien à dire. Ah, j'ai réussi à tuer un mec qui était en... En ronde de nuit, quand même, hein. Ah ça va, ils sont chauds, ça va. Vas-y, je vais aller prendre B avec le mec là. Zone B neutralisée. Ça va, j'ai fait 3 frags avec l'arme déjà les gars. En fait faut essayer d'être mal. Un petit temps, ça y est, on cave sur vous. Non, j'allais mettre ma bombe Nova, j'aurais défoncé les deux gros. Deux titans, ouais, les deux titans ils ont tiré super même temps. On va essayer de... Je pense qu'ils sont au moins deux sur B là. Deux pour le prix d'un. Ah, dommage qu'il vienne me tuer lui. Je l'aurais tué l'autre là. Bon, je pense que ça va être... Je vais pas en faire 50 des parties avec la Ghost of, tu vois. Elle a porté, je te jure, faut vraiment être prêt en fait, c'est ouf. Genre, tu regarderas... Je te montrerai après la... Tu regarderas son personnage, la portée. Il y a rien. Ah ouais, je regarderai. La portée est vraiment... Ah, il en manque. Hein. Oh, énorme de début, quoi. Munitions lourdes en approche. Vous passez en tête. Il y a des munitions lourdes. Il y a un type qui les a en face, c'est lourd, un type. On va essayer de faire du frag avec les lourdes en main. Oh, il m'a mis son assaillant, bien joué mec. On est repassé en tête là. Hein. Bon, on a fait quelques frags les potes, là franchement on doit pas être trop dégueu au niveau du ratio. Bon, on n'est pas non plus, c'est pas ouf non plus, mais bon. Je pense qu'on est pas dégueu quand même. J'ai fait quoi? J'ai dû faire 4-5 frags avec la Gvostov, pas plus. Tiens, des orbes, impec. J'essaie vraiment de jouer avec cette arme, j'ai envie de sniper en fait des fois, mais... Bon, je suis pas très bon sniper non plus, mais... Allez. Et du coup, ouais, y a un nouveau mode de PVP qui devrait arriver. Alors, apparemment, ça ressemble beaucoup à l'élimination confirmée de Call of Duty. On va voir. Bon, je suis assez surpris de la Vex. Hein. Elle est vraiment forte encore. Oh, j'ai loupé ma bombe de bas.
Il m'a mis un truc. Ah ouais, en plus il m'a même pas mis dans la tête ça. J'avais pris des dégâts, dommage, sinon je le fumais lui. Au moins, si on peut gagner la partie déjà, c'est pas mal. Bon, ça sera pas grâce à moi non plus. Je crois qu'il y a un ronde de nuit sur B. Ils prennent B. Ah ouais, c'est chaud, il n'y a pas de portée. Je les chatouille. Ouais, il y a trop de monde sur B. Je les chatouille en vrai, moi, c'est ouf. Plus que 5 minutes. Zone B perdue. Ouais, puis j'ai craqué ma bombe noire, j'aurais pas dû la mettre maintenant. L'ennemi a pris la zone B. Ouais, il est gros là. Vous avez perdu l'avantage. Ah ouais, j'étais sûr, je l'avais vu au fond là, son petit truc lumineux. Il y a beaucoup de snipers encore dans Destiny, hein. Putain. Ouais. Oh, je t'ai eu. Il aurait sorti son arme principale qui m'aurait fumé, le mec. Et il a voulu me sniper en fait. Zone A neutralisée. Vas-y, on va prendre B. Ah, bien joué. L'ennemi a capturé la zone A. Oh là là, mais oh là, la grenade d'incendie. Oh. Ah, bien joué, putain. Je me fais le tourner. Ça, je suis pas dernier de la partie. Oh, il y en a qui viennent rejoindre. Je suis presque dernier en fait. Presque. Ouais, ah, mais bon, en même temps, on joue pas avec les mêmes armes non plus, les mecs. Il y a très peu de balles, hein. Il y a 25 balles dans le chargeur. Grosse cadence en plus, non ? Hein ? Il y a une bonne cadence en plus, non ? Ouais, c'est pas énorme, énorme, mais c'est la portée. Tu regarderas, franchement, regarde la portée à la fin de la partie, tu vas halluciner, tu vas rigoler. Zone B neutralisée. Dommage, on aurait pu la gagner, on a perdu sur la fin. Et bon. Oh, j'ai fait un dernier frag, c'est pas magnifique. Le contrôle des zones. Ah, enfin bref les potes, vous avez vu, franchement c'est vraiment pas facile. Alors on va regarder les loot, on va attendre les loot également. J'aurais dû mettre un 3 de denier, j'en ai pas mis d'ailleurs. C'est vraiment pas facile. Je sais pas combien, je pense que mon ratio est négatif quoi qu'il arrive. frags, ouais, 0,71, c'est pas très beau quoi. Enfin bref, mais j'espère que ce gameplay vous a plu quand même. Ne vous inquiétez pas, la Ghost of Exotif sera bien évidemment meilleure que celle-ci. On pourra en plus choisir la cadence, donc full auto, semi-auto ou coup par coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Et puis, Killer, t'as bien joué, hein, franchement, avec l'Avex, t'as bien joué. 20 frags. Diable aussi, t'as bien joué. Elle est fort de ouf, l'Avex encore. Ah bah, je vais l'essayer juste après. Mais du coup, les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, puis à partager la vidéo. Et dites-moi aussi si vous voulez, pourquoi pas d'autres vidéos de ce genre, je sais pas. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Et merci à toi, Killer, d'avoir été présent avec moi sur cette vidéo. A très bientôt, les potes. Tchuss!